c'est ceux qui ont fait les grandes heures, les belles heures de ces 15 dernières années de festival, qui reviennent sur cette édition, les uns avec des nouvelles productions, les autres avec ce que j'ai essayé d'introduire dans cette édition-là, de réflexion sur c'est quoi faire 40 ans de festival d'une certaine manière, c'est-à-dire revisiter un certain nombre d'œuvres, remontrer des œuvres qui ont été montrées précédemment, et de regarder dans quel état elles sont, quel effet ça nous fait, ceux qui y avons déjà vu, quel effet ça fait à ceux qui ne l'ont jamais vu. Mais si on prend évidemment comme exemple le Sauchenal de Dominique Bagouet, qui a été créé en 90. Donc c'est une édition qui tourne autour de cette question-là, et comment faire autrement? Sans doute autour du temps qui passe. J'étais trop intime avec lui pour pouvoir voir en fait l'importance que cet homme-là avait dans la ville. Je l'ai compris bien après, en fait. Sans Dominique, il n'y aurait pas ce lieu-là. Donc je vois maintenant l'importance de sa présence, de son combat, et puis de son travail chorégraphique. Maintenant, je mesure aussi son travail artistique quand je vois des gens et que je transmets, et que je vois ce que je leur apporte. Et pour ceux qui voient les pièces de Bagouet remonter, je vois aussi l'enthousiasme qu'ils peuvent avoir à découvrir cette danse très fine, ciselée, la complexité de la chorégraphie qui est à la fois très savante mais très abordable. Moi, je vois aussi les gens qui ont pu travailler avec Bagouet. J'ai vu ceux qui se sont intéressés à l'écriture de Bagouet. Je vois ça, je lis ça, en fait, à travers les corps. La mort de Dominique, le 9 décembre 1992, n'a pas été rien, si j'ose dire, dans nos vies à nous, parce que c'est des moments où tout s'écroule. Et où cependant tout se reconstruit et tout continue. J'ai commencé à recontacter les partenaires du travail sur Jours étranges, et puis j'ai contacté les programmateurs jusqu'au moment où j'ai contacté Jean-Paul Montanari, et qui a répondu 10 minutes après. Je pense que c'est vraiment une œuvre chorégraphique qu'il faut jouer maintenant encore, et encore pour un petit moment. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de mettre en avant l'écriture du mouvement et l'écriture au plateau, la chorégraphie. Je sais que c'est important pour un danseur de traverser cette danse et de traverser une pièce comme ça. Les cheminements de chacun des interprètes est différent. C'est des duos, des solos, des trios, Bloom, une pièce de groupe et hop, et à nouveau un solo. C'est dans toutes les pièces de Bagouet comme ça. À l'intérieur d'une pièce, on passe par plein d'états différents. Et ça, c'est très très agréable, très riche quoi, pour un interprète.